Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arches, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ses métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant, et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe.
Ça vient de derrière cette porte. Un avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Et voilà le travail. Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. Entre les deux yeux. C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas bien pourquoi. Il se présente sous le nom du fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Des rumeurs parlaient d'un renin borgne vagabondant derrière la grande muraille. Il est content de voir qu'elles sont vraies. La légende de l'enfant borgne qui a grandi comme un paria est vieille et triste. Ça aurait pu être n'importe qui, mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupin Lupin a fait à votre village, à votre moment, et Popsy, était le commencement de la fin.
Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. C'est après l'attaque que l'Union s'est délitée. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction au fléau qui accablait la terre. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre.